Alors, parce que j'ai un du coup. Mais en fait, vous avez des retours de la l'événement hier soir de Tétou. Ouais, bah ouais, c'est clair. Oui, c'est passé quoi, Tétou? Il y avait un gros événement, c'était vachement cool. Je trouvais ça sympa. Il y avait, je crois que c'était notre guild qui était venu. Ah, c'est sympa ça. Une découverte. Vivre Gorgas, you are following Gorgas. Oh, oh, je te follow, Mati. Attends, déjà, faut que je comprenne un peu comment ça fonctionne Twitch là. T'emballes pas. Alors, Gorgas, Twitch, attends, connection lost. Voilà, je suis en train de regarder. Voilà, mass mob. Oh putain, je m'entends, c'est horrible. Une voix de merde. Oui, j'ai une voix de merde. Ah bah non, visiblement non. Ah, et encore, attends. Non, t'entends pas, non. C'est écrit les mecs dans le jeu. Ah, c'est peut-être pas télé par contre, non. Non, non, c'est le problème. Non, je dis, ils gueulent les mecs dans le jeu. Oh putain. Oh, je peux pas regarder ton Twitch en étant en même temps sur TS, c'est pas possible. Non, surtout si t'as un décalage de son là, c'est horrible. Ah c'est ça, ce que je m'entends dire, ce que j'ai dit après, alors du coup ouais, je suis j'arrive plus à parler. Ça, c'est beau, hein. Mais je crois que c'est la binaire pour séparer non le son du PC avec le TS. Hein. Oh, ça a pas été évident. Hein. Ouais je sais, avec un pote une fois on avait regardé et... Tu peux le faire mais c'est misérable le truc. Tiens, je vais avoir un peu le prix de Rainbow Six siège, tiens. Un cadavre. Oh merde! Alerte! Un membre de votre équipe a désavoué son affiliation à la division. Un mec, ça? Votre équipe a désormais le statut renégat. Ça, c'est ma faute. Ouais, c'est moi aussi, j'ai tiré dessus pour le coup. Bouge pas, ouais, on laisse passer les secondes, quoi. Il faut les binder dans les options. Putain, 60 euros Rainbow Six. Mais attends, il y a une arme. En fait, j'avais pas calculé qu'il y avait d'autres joueurs. Et... Oh, ça trouve le cul, ça donne envie de chier. Moi, j'ai tiré aussi, hein. C'est direct. Ouais. Je vais probablement paraître con, mais Ubisoft c'est des Français. C'est quoi le 68 là qu'on voit les 68, c'est des gens à tuer ça. Là je vois des gens devant moi là où je suis. Et un numéro ouais. Non c'est pas français ça. Mais voilà, il y a un développeur de Rainbow Six Siege, il est français. Ouais, vois. Ils ont une compagnie française. Ubisoft mais, c'est les patrons français. Ouais. D'accord. Je sais pas si j'ai le droit de tirer dessus. On va se les faire là. Ah bah j'aurais pu leur tirer dessus. Hein. Je savais pas si on je pouvais opérer du coup. Ouais, ah, quand ils sont rouges, quand il y a la tête de mort avec un chiffre à côté. Ah, dommage qu'il soit si cher, hein.
Le mec est mort. GG. Bon, j'arrive. J'ai vu un objet bleu tomber, mais... Ah bah le mec il a... c'est pas par personne, il faut d'abord le... Enfin c'est n'importe qui peut le loot, c'est ça? Ouais, ça c'est dans le sac, big. D'accord. C'est un PNJ ça? Vous avez acheté les mitraillettes du vendeur, vous, par hasard? Ouais. D'accord. Armes pour... Enfin, j'ai des armes, une bonne carabine là, que j'ai pris des munitions là qui pourraient faire la blague. En arrière, mais je me suis resté coincé. Ah, mince, c'est menti. Je vais en faire plein. Il est tout seul le mec là? Vas-y, go, on se le fait là? Moi je suis full moi par contre. Moi aussi je suis full. Ouais, je suis full bleu. Hein. Enfin, je vais jeter un truc alors. Il vaut mieux qu'on se tire là maintenant. Oh, j'ai pris l'arme bleue. Oh putain! Vous butez pas! L'agent de votre équipe requiert votre aide. Oh merde! Ah j'arrive. Moi tu fais con là, j'ai juste venu de ramasser l'arme. C'est moi. Ouais. Tu perds tous les objets qu'avec, c'est ça? Les autres, ça monte dans les escaliers. Ça se passe comment quand vous mourrez? On perd de l'expérience et de l'argent qui est gagné dans la... Putain, j'ai perdu. D'accord. Et du coup, tu perds tous les objets d'office, alors les 6? Les 6 objets contaminés, tu les perds dès que tu meurs, quoi. Et après, ça se tire la bombe pour choper ton stuff aussi. Confirmation, le statut Renégat n'est plus actif. Salut New York, c'est tonton Ricky. Faut qu'on parle, toi et moi. Parce que je crois que je commence à craquer. Les trucs qu'on me raconte. Eh, t'en as besoin, allez, à vous. Tout arrivé là, comme une grosse. Pas de la vraie vie. Enfin, la vraie vie, c'est devenu une putain de poste.
réussi à récupérer deux de mes objets que j'avais perdu. Ouais. Ouais. Il y en a qui ont Rainbow Six Siege ici dans le bar. Non plus, je suis pas très fan des trucs stratégiques. Hein. Bah c'est plus du CS, ouais. CS bien évolué quoi. Enfin, moi je me rappelle, enfin, le dernier souvenir que j'ai d'un Rainbow Six, c'était vraiment sur la Dreamcast à l'époque. Et c'était vraiment le truc, il fallait positionner tes mecs pendant une demi-heure pour tirer deux coups de feu. Ouais, non, c'est toujours pareil. Mais... Non. Vraiment... Ici c'est vraiment le siège, c'est un truc comme CS quoi. Donc tu peux fortifier des murs, tout ça, mais ça va très vite quoi, c'est des runes qui vont assez vite. Des attaquants, des défenseurs et je crois. Rainbow Six Siege, ouais, il est à 30€ seulement sur. Seulement à 30€ sur Instant Gaming. Je trouve... Ah, il est en stock en plus. Je peux en récupérer deux, j'en ai perdu 4. Ah, tu veux faire une extraction? Allez, go. Quand le jeu va sortir, ça va être pas mal quand même, ce système là de perdre des objets. Faire super gaffe quoi. Quoi le truc avec les objets? C'est des loot en fait. Et du coup, comme là par exemple, j'en avais 6 en fait, et j'en ai perdu 4 en public, c'est-à-dire que les mecs peuvent looter sur ce que j'ai eu, et je peux en récupérer 2 si je vais les retourner les chercher. Et quand tu lances l'extraction, là, de ce que je vois, c'est vraiment ça alerte tout le monde sur la map, quoi, qu'il y a des extractions. Du coup, t'as des enfoirés, s'ils veulent, ils peuvent venir. Dernier moment, on peut prendre. C'est que du PNJ en face que vous avez ou il y a quand même aussi des joueurs Non, il y a des joueurs, mais juste dans cette zone là, pas dans tout le jeu en fait. Ouais. Enfin, en PVP quoi, sinon le reste c'est contre les autres PVE quoi. C'est pas mal je pense pour ceux qui veulent. Il y en a qui sont intéressés que par PVE. De regarder là, mais j'ai coupé les sons par contre. Là, ouais. Là. Ouais, vous attendez une extraction par hélico alors. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Alors, des fois, t'as des gens qui arrivent parce qu'ils veulent aussi en profiter pour extraire des trucs là, de ce que j'ai compris. Et du coup, tu sais pas trop s'ils viennent en fait pour t'attaquer ou juste pour déposer leurs objets. Bah, la rigueur, tu te poses pas trop de questions, tu butes, non? Ouais, mais si tu butes, tu deviens en mode rogue et là c'est. Ah ouais. Bah... D'accord. Et si tu arrives à survivre au compte à rebours, en fait, je crois que tu reçois pas mal de trucs. Enfin, tu reçois de l'argent, non? Début de l'extraction du colis. Je pense que dans ce jeu, il y en a qui vont se faire un malin plaisir à ganker juste les gens au moment où ils vont extraire. Ouais, clairement. Là où t'es le moins. Paré au chargement. Le moins prêt, quoi. Ah, Yiko, c'est pas mal de faire, puisque t'as dit ça. Le jeu, pour moi, il est sympa, quoi. Ah, attaché à la grande distraction, putain.
Et une fois que le butin est sécurisé, ça te l'emporte dans un coffre ou quoi, ou chez toi, ça ouais. Te le prend. Ah, c'est ça, ouais. T'as 30 emplacements et. Après, je sais pas comment on fait pour les décompagner du coup. Et tu peux te faire une baraque et tout, comment que ça va ou. C'est dans une caisse dans ton. Dans la zone. Dans. Ouais, dans t'as ta une maison, base principale. Ouais, dans la base. Ouais. Ah, d'accord. D'ailleurs, c'est. Ouais, moi j'ai une bonne mitraillette aussi là qui est tombée en bleu là que j'ai renvoyé, donc je veux bien passer aussi. Et en fait ta base, bon là c'est vraiment super limité la bêta, mais de base tu peux l'améliorer sur plein de trucs différents. Genre tu... La compétence... D'accord. Genre au début tu sauves un médecin, enfin là dans la bêta t'as que ça, mais tu sauves un médecin, tu ouvres la branche du coup de l'hôpital. De ta base en fait, et après tu peux l'améliorer en faisant des missions et... Mmh. Non mais je me dis, je regrette d'être Twitch aussi en fait. Attention. Niveau connexion, je suis sur un gros terrain. Moi j'aurais fait si... J'ai vraiment un bon PC, j'aurais fait, mais j'ai vraiment une connexion pourrie quand je suis dans la campagne. Ouais. Ah. Moi c'est, ce qui me fait peur, c'est plus mon PC que ma connexion par contre. Là mon PC, là je suis large. Oh, tout va dépendre du jeu auquel je vais jouer. Bon, à tester. Tu vas revenir, tu vas voir. Et tu peux te faire des thunes en plus avec Twitch, non? T'as des systèmes qui te permettent d'avoir. Ouais, déjà. La CAF est strictement interdite sans combinaison protectrice Hazmat de niveau 3. Alors, merde, c'est pas ça. Ouais, on a eu, je suis un peu en décalage. Voilà. Ah, t'as pris du manuel de flic là? Ah, attends. Oula. Ah, je vois que t'ouvres une carte avec une zone rouge là. Ouais, c'est ça. Ah, et là tu montres un carré, c'était ça la Dark Zone? Ouais. D'accord. Et vous avez pas accès à toute la carte en fait pour l'instant, vu que c'est. Non, non, là c'est. La bêta, ouais, putain. Elle est vraiment, vraiment très petite. T'as qu'une seule mission, t'as. Oh, et puis en fait c'est vraiment vous mettre la carotte au bout du nez. Ah punaise, là je peux te dire, c'est, pour moi c'est le cas, hein, c'est parce que j'ai vraiment envie de... Ça c'est ce qu'on voit. Il y aura ça en fait, il y aura 4 fois la surface qu'on a eue. Ils ont dit en DLC qu'il y aurait... Ah putain. Ah ouais d'accord ouais. Tu passes un quart d'heure pour faire passer de Carlson. Ah. Putain. Et c'est un open world, comment est-ce que ça fonctionne? C'est un monde ouvert, je vais dire, c'est un serveur ou c'est plusieurs serveurs. Ah. Hey, t'as besoin de quoi? D'accord. Ah, je vais rentrer dans la base, là. J'avais vu une vidéo là. Ah, c'est quand t'es trop près ou trop loin, là, des fois ça bug, non? Ah, j'ai eu la même. Du coup, quel est le but de leur bêta exactement, là, de donner le goût au jeu? Pour voir si c'est stable en fait. Parce qu'une boîte comme Ubisoft, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de voir si c'est stable? Bah, souvent, c'est les grosses boîtes hein, qui se plantent le plus. Hein. Là, je suis tenté par prendre Rainbow Six Siege, là, putain de merde, mais c'est mal. Faut voir s'il y a des gens qui jouent dans la communauté, sinon c'est pour jouer tout seul. Oui. Il faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. User in your channel timed out. Encore gaz. Ah non. Attends, ouais. Qui est bien sympa. D'ailleurs. Tu es en train de chipoter avec ton arme là. Ouais. Tu peux customiser ton arme en fait, ouais, d'accord. Ah, énorme. Ah, les viseurs, ils rappellent quand même vachement Arma 3 quoi. C'est pas suffisant mon cul,
train fidèle. Là, t'en as du bordel déjà. Il faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe, c'est tout Manhattan. Donc t'as deux viewers, mec. Ouh! Ça, c'est le. Ah, c'est le début. C'est le début d'une grande carrière, monsieur Kamak. Toute personne surprise en train d'essayer de voler de la nourriture ou des médicaments sera sévèrement punie. Les gardes ont reçu l'ordre de tirer. Merci de votre coopération. Ah, les armes sont quand même sacrément bien foutues. Parce que là, franchement, quand t'es dans le menu, le jeu est beau. Reste un peu dans le menu, s'il te plaît. C'est tout Manhattan qui tombe. Quoi ? Ça lag pas. Bon, la déception, c'est vraiment aussi le crafting qui est disponible. Ah, mais ça, ils avaient pas trop donné non plus. Personne propose autant de trucs. Personne. En fait, on n'a pas grand chose à voir par rapport au FPS qu'on a l'habitude de jouer. Menu interactif comme ça, ça me rappelle un peu Elite Dangerous quelque part. Oh, ça devient la mode, hein, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, faut que je m'y reconnecte à Elite, moi. Putain. Faut que je vous rejoigne dans votre système base là-bas. Ouais. En plus, là, la dernière fois que j'avais joué, je m'étais acheté un vaisseau plus puissant là qui me permettait de faire des plus grands sauts, du coup. C'est vachement de plus rapide pour le jour. Quelque chose te fait envie ? La patrouille a croisé des nettoyeurs près de la gare. Bah. C'est replay en fait, du coup, je sais. C'est replay qui s'est déconnecté en fait, je vois sur le jeu là. Vous faites du super boulot. Regardez qui est là. Bonne chance. Passe pas à côté de ça. Le plus beau catalogue de tout New York. Sur Docteur FF, Kendall a parlé de l'histoire d'échantillons à la de quoi faut pas FF. Ouais si j'ai allé là. T'as besoin de quelque chose? Un agent a quitté votre équipe. Regardez qui est là. Il faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Toi, t'es du genre sérieux, s'asseoir. Ah,
bonne chance à vous. Il faut à tout prix qu'on arrive à tenir cette base. Si on tombe, c'est tout Manhattan qui tombe. Et du coup, avec la bêta, avec l'accès bêta, vous allez avoir des une réduction sur le jeu en lui-même ou. Ah. Je préco aussi. Allô. Salut. 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 Bonjour. Il est là, Korgas. Salut, c'est Jagok. Oui. Bah, vous êtes sur The Division ? Oui, mais je suis en train de stream. Ah merde. Non, mais t'inquiète pas. Bon, je me casse alors. Ah. Monte. Attends, je vais monter au son parce que vous entendez presque pas. Vaguement vite fait, j'ai pu y jouer. On va dire que seulement hier soir vite fait, ce matin j'ai pas pu parce que je sais pas ce qui s'est passé. Le matin il marche pas. Ah oui c'est ça, ce matin il marche pas. Ah d'accord, ok. La maintenance de la bêta. Ou en fait ils ont volé un jour quoi. Ok. Ouais. Salut. Hey, autant qu'on va. Ouais, moi je suis, je vais un peu sur FF, à tout à l'heure. À tout. Non, je fais pas demain. Bah surtout que je suis pas prêt qu'y jouer, je suis pas prêt à peu près qu'y jouer aux habits parce que après demain je suis même pas chez moi donc. Ouh. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. On a les verrous. Ah, ça fait qu'on voit là en bas là. Attends, tu peux. Ouais, en plus, ça a été. Space là. Pas trop compris l'intérêt. Tu peux vraiment. On peut vraiment équiper une putain de. M240 dans le dos en secondaire. Sérieux? Il faudrait des montures dans le jeu, là, faut des motos. Vous voulez ? Parce que là, je suis en train d'essayer de vous courir après. Heureusement que mon personnage est plus sportif que moi.
sniper depuis ces fenêtres. J'ai rien de valeur sur moi. Décidé d'y aller en roulade. Ça va vraiment plus vite. Non. D'accord. Ça va vraiment plus vite. Ah, c'est vrai qu'on peut, en plus, y'a pas de cooldown sur le run. Sur le run. Vous avez testé les missions en mode hard ? Enfin, de la mission ouais. Donc, là, la seule mission qu'on a. C'est des élites et à la fin, t'as des élites. En fait, c'est à peu près la même chose que tout se battre contre des. C'est plus rapide, mais en fait, c'est aussi. C'est toi la même chose. Ouais, c'est ça. Et puis, même, ça vous pas des masses, quand je vois ce qu'on fait dans la zone dark, c'est. Bon, ouais, c'est kiff-kiff, c'est juste que. T'as les marchands qui vendent des vieux. Apparemment, la bouffe aura un impact aussi hein, sur les stats. Sérieux ? Si c'est une blague, non. C'est cool ça. Qu'est-ce que vous faites ? Non, si tu bois que des sodas. Un genre de buff, quoi, un genre de potion buff. Communication radio interceptée. Traitement en cours. Les gars, va falloir qu'on réduise la pression du réseau hydraulique de la ville. Ils éteignent nos feux plus vite qu'on les allume. Et on peut pas les laisser compromettre l'opération. On a un schéma mais on peut pas fabriquer. Ok. D'accord. Ouais bon, il faudra attendre un bon petit mois là jusqu'à début mars. Ah, on pourra passer des bonnes soirées dessus. Espérons qu'ils sont pas de retard. Oui. C'était Ubisoft aussi qui avait fait Watch Dogs ou pas ? Oui. Ah, Watch Dogs c'était pas génial hein. C'est vrai que j'avais un peu peur pour cela, mais c'était vachement bien. Moi j'espère qu'on aura des mecs qui jouent PVP quoi, plus de la Dark Zone, c'est un peu. Ouais, je pense que c'était impossible que tu fasses un. Bah, parce qu'en fait, tout est plus faisable solo sauf la Dark Zone, donc ce sera un peu ballot. En fait, la Dark Zone, tu peux y aller en solo, mais bon, c'est pas conseillé quoi. Ah, moi j'y suis allé en solo, j'y suis allé qu'une fois hier, et c'est pour ça que je retournais. J'ai fait ouvrir. Bon, après, c'était de ma faute et que moi j'avais pas fait gaffe que c'était des mecs, leur avaient tiré dessus, j'étais presque corps à corps et tout. Niveau de pression de l'eau critique. Ça n'a pas duré longtemps. Bah en fait, la première fois que je suis rentré, moi, c'est un mec qui m'a tué direct, il vient d'arriver aussi, il m'a tué direct, c'était d'accord. Et après, j'ai compris. En fait, quand tu n'es pas renégat là, tu ne perds pas d'objets, hein, c'est ça? Je ne crois pas. Oui, mais je suis d'accord. Ouais, voilà, ouais. Ah, tu vois, t'as aussi de l'argent. Même quand t'es pas en dégâts ? Même quand t'es pas en dégâts. Ah merde. Pourquoi t'es moins que quand t'es en dégâts ? Ok, d'accord. Ouais, bon, c'est le genre de truc. Ouais, c'est vraiment un truc. Bon, après, ça, honnêtement, c'est. Ah, d'habitude, j'aime pas trop ce genre de concept de jeu, mais là, je vais pas me plaindre parce que c'est quand même fait un peu pour te forcer à jouer en groupe. C'est quand même la chose qui manque ces derniers temps dans des jeux. Bah, vraiment, je sais qu'à un moment, j'étais dans la Dark Zone, t'as un groupe de renégats qui était en train de casser les couilles à des gens. T'avais un groupe de 5 mecs qui étaient en train de les poursuivre, je me suis mêlé à eux.
on les a défoncés. Ouais, voilà, mais c'est vraiment ça que je trouve sympa là dans leur système. Là, c'est il a bien fait sauter en fait. Ouais, pas tous maintenant, donc je pense que je parle pas un MMO, je fais pas un MMO sur le jeu, mais de plus en plus en fait, on se force un peu à presque rester seul dans son coin et juste à faire des instances avec des gens et voilà quoi. Là au moins, c'est vraiment. Ouais, t'as les gens, t'as le concept que les gens peuvent te trahir à tout moment, ou, tu vois. C'est ça. C'est sûr, ça te fait rager, mais voilà, au moins ouais, ça voilà, correspond. C'est le jeu, quoi. C'est toujours encore moins frustrant, par exemple, maintenant, parce que j'aime beaucoup les jeux de survie, là. J'avoue pas, je vais pas le prendre comme exemple DayZ. Mais ce style de jeu, tu vois, genre Arma 3, là, avec des trucs comme ça. Mais j'aime bien, tu vois, mais c'est quand même punitif, parce que quand tu perds tout. Là, tu perds un petit peu, mais voilà, quoi, c'est pas... Attention, niveau de pression voilà, de l'eau critique. Au pire, un gros loup, c'est pas ça. Ah, t'es sportif, hein, Réplé. Oh, il y a aussi des armes, les gars. Wesh. Le quoi? Le recul des armes. Ah. Moi la 240 là elle. Ah oui mais c'est la 240. Moi j'ai une arme là qui tire plus de 3 balles par fois. Avertissement, pour mon état de marche. C'est quoi, c'est le dessin, j'ai tort. Je crois que c'est bon. Confirmation. Pression de l'eau rétablie. Ouais, putain, ça ouais c'est un P5. Aucune activité. Ouais, j'avais vu dans tu l'as pas acheté dans le marché? Non, j'en ai looté une bleue en fait. Ok. Ils en vendent une bleue dans la base. Ah. Et j'ai vu qu'elle était pas rafale. J'ai vu une arme violette aussi là dans le vendeur. Putain. Je crois que c'était un MP5 aussi là. On a les mêmes trucs, on a les mêmes propositions je crois. Je sais plus du tout. Si, c'est exactement la même chose. Ah, ça me blase un peu par contre, je vois des innocents qui courent là, tu peux pas les descendre. Ouais, oui. J'ai tué des chiens et des rats dans le monde, quand même. J'ai pas essayé les piafs, tu peux ou pas? J'ai essayé, ouais, mais... Si, ça marche. C'est ton pigeon. Ah, je suis replay, mais je sais pas si c'est le bon plan. Ah, t'as par terminé contre... Enfin, après la guerre, quoi. Par contre, La zone PVE elle manque clairement de mobs, je trouve. Ouais, t'as vraiment deux types dans un coin de rue là, tous les 50 mètres, 100 mètres. Je vois pas bien. Ou après, c'est peut-être fait comme ça, et peut-être il y aura. Moi je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire ça, que c'est un peu vide. Parce que j'avais déjà vu avant même la bêta que les gens sur les vidéos parlaient déjà, disaient ouais, c'est quand même un peu vide, machin et tout. Donc je pense qu'ils vont changer ça. Putain de rat. Mais après je sais pas, on a qu'accès dans la bêta contrairement qu'aux premières zones. Ouais voilà. Ouais, ouais, et encore que à partir du niveau 4 quoi. On a même pas encore les comment dire. Les ceux qui purifient par le feu, là j'ai oublié leur nom. J'en ai pas trouvé à part dans la Dark Zone. Ah ouais? Ah si j'en ai trouvé ouais. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Après, c'est vrai que USX, il y en a vraiment pas beaucoup. Oh, chien. Ah, mais il avait la rage. Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'ai vu, il bavait. On peut pas tuer les 200 morts ou quoi. Ah, on essaie de buter les oiseaux là. Non, moi je pense qu'on peut pas les buter. Si, on peut les buter. On est déjà réussi à en buter. Moi je bute un rat là. Ah, et, c'est pareil, y'en a plein qui sont. Il y a quand même beaucoup de super bons. Hop. En même temps, t'es pas là pour aller piller chez les gens.
Ah mais c'est vrai qu'il y aurait... Il y aurait un... C'est vrai qu'ils auraient pu faire un peu plus à la... Je suis une légende là. Tu fouilles des apparts là, t'as une petite map avec une croix là. Par contre j'ai pas... J'ai pas compris le RP Il a peur. Oh. Moi je bute les chiens. C'est bon boulot ça. Non, faut le faire. T'as tête de chien. Oh putain. Ah je vais vraiment être mauvais. Les chiens et les rats, y'a pas de problème à avoir les pièges. Un piège, je l'ai essayé en l'air ou par terre, j'ai pas réussi. C'est une grenade. Un coup de moi, grenade. Je pense qu'on nous ment. J'ai pas compris par contre le RP du mode histoire. Quand tu vois, quand tu vas acheter le jeu, là, ce qui te marque après le Black Friday, il y a eu un virus. J'ai pas compris le rapport avec Black Friday, quoi. Mais en fait, c'est un virus qui se propageait par les billets. Là où les gens et... Ah d'accord, et ça j'ai poussé à toi. Bon par contre, j'avais lu quelques trucs, ils avaient bien annoncé que ça serait vraiment que des êtres humains ou... Il n'y aura pas d'aliens ou de monstres ou des trucs comme ça, hein. C'est pas... Enfin, toujours que humain en fait. T'as tué quoi? Ah. Ouais, c'est ça, je te disais, il y a eu deux modes... deux mobs par-ci par-là. Doucement! Oh, doucement! C'est pas easy à moi. Ça vous dit de faire l'instance en difficile? Ah ouais, moi j'ai fait plusieurs fois, moi y'a pas de soucis. Hein. Je la connais déjà presque par cœur. Un chien noir, mon dieu! Ouh! Il est. C'est bon, j'ai nettoyé la cible, elle est plus contaminée. Oh, on peut exploser des pneus des bagnoles en fait. Je vais me péter les porteurs. Oh putain, un chien. C'est tout faisant bordel là. Qu'est-ce qui tire? Ah. Il y a des mobs de toute grillade. Non mais c'est déjà fini là. Ah c'est frustrant ça en fait. Le pauvre. Ah, bon, on me dit, je pense qu'ils ont dû limiter. Je pense qu'au fur et à mesure. Je sais pas si maintenant ça va être instancé. Est-ce que nous on est plus haut level, on tombe sur des ennemis. Ah non, c'est que les zones, c'est les zones qui sont 3, level 3, 4. Ah donc c'est juste les zones qui sont comme ça. Ouais c'est vrai qu'on est level 8 à se promener dans les zones 3, 4. Mais... Putain. Ça s'ennuie vraiment, hein. Oh putain. Bon, moi j'ai une grenade sur le camion. Moi je trouve un snipe. On se suffira. Mais... Je crois qu'on est en fast travel là pour.
Par contre, c'est marrant, j'ai pu la faire à. Je l'ai fait souvent à 3 là, l'hôpital en hard mode, mais des fois, tu le fais à 4. Je sais pas si c'est. Je sais pas si ça change quelque chose au niveau de la difficulté, que tu sois 3 ou 4. Ou... D'accord. Moi j'attends comme un con le fast travel alors qu'il faut le confirmer. Juste reprendre quelques munitions à force de faire le con. Vous avez déjà commencé à attaquer vous, non? Temps est changeant. Ah ouais, c'est de la moi j'ai pas vu encore trop de différence de. Voilà. Vous allez avoir affaire à de nombreux éléments hostiles. Ils retiennent prisonniers le Dr Kendall et ses assistants. Et nous avons besoin d'eux pour rétablir l'aile médicale de la base. Vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser Kendall. J'y suis. Voyons ce que je peux trouver. Vous voyez les images de la caméra de sécurité? Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. On dirait qu'il y a un groupe à l'étage, dans un restaurant. Ils sont assez nombreux, mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Regardez partout. Injustifié ! La carabine elle est pas mal aussi pour la distance. Et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Cobiz. Ah, moi, apparemment, ils ont complètement saccagé le garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de voir dans cet état. Ça a vachement plus on venait bien. Souvent voir des matchs ensemble.
C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici avant d'être abattus. Alors, prudence. Ouais, pareil, la carabine là, ça. Ça cogne. Restez à l'abri et vous faites pas repérer. Attention, élément hostile détecté. Continue de les allumer! L'escorte essuie des tirs en provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. C'est impressionnant la différence, hein, la vitesse. Il faut aller 5 minutes. On est bloqués. Il faut que quelqu'un monte dégager le terrain ou on s'en sortira pas. À vous de jouer. Ah oui, ah oui. Oh, ils sont vachement plus longs. Déjà, ils restent toujours, mais tout au fond, tu vois, mais... Plus loin, tu peux pas faire, en fait. Surtout là, ce boss-là, le dernier, là, c'est impressionnant. Vraiment. Mais moi aussi je le fais au snipe, mais je me mets quand même à peu près à la moitié, comme ça du coup ceux qui passent au côté, les ennemis, tu sais, je peux les buter facilement. On a un agent sur le toit. Eux ils sont vraiment tout au bout, quoi, derrière. Elle et ton équipe viennent d'arriver. Ou si t'as pas une lunette, on les emmène en sécurité. Magnifique, tu vois.
Médical est en sécurité. Kendall et ses assistants sont sains et saufs. Aucune perte à signaler. C'est un excellent début, agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Quelque chose te fait envie ? Ouais, j'essaie juste de voir le bon côté des choses, c'est tout. Même si c'est la fin du monde. Des dizaines de malades abattus dans leur lit. Qui est-ce qui peut faire un truc pareil ? Ça touche pas à toi, ça fait rien. Prends soin du matériel et il prendra soin de toi. Moi, je vais vous laisser, je vais vite faire encore un truc. Ouais, moi pareil, je vais arrêter, je reprendrai plus tard. Ouais, moi pareil. Ouais. Tu peux pas passer à côté de ça. Allez, dis bonjour mes petits copains. On se reverra peut-être. Ceci est une annonce des services d'urgence. En raison du risque d'infection élevé, toute activité... Un agent vient de quitter votre équipe. Merci de nous informer le groupe.
beaucoup les ressentis. Ouais, c'est pour ça que... Bah, j'avoue que la météorologie, quand même, moi j'étais dans la... La première fois que je rentre dans la Dark Zone, il y avait un brouillard. Ça c'était génial par contre. Ah, tu penses ça? Ça, ça nous revient, tu vois. Y'a pas le tour, y'a pas le tour. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? On va pas faire des réseaux. Il doit y avoir d'autres trucs. Bah voilà. T'es tout seul ? Grenade! Ça marche pour toi!
Salut. 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 Alors, toujours aussi bien en deuxième session de jeu ou pas? Oui. Ouais, j'imagine que ça commence à être un peu long. Mais y a du monde, ça va? C'est le ciel qui vous envoie. Je croyais que vous vouliez m'aider. Bon, après ça a tendance à gueuler dans toutes les rues dès qu'il y a du PVE, mais mais ça va. Ah ouais, oui, t'as que 10 secondes. Bon, c'est trop peu. Il y a 0,5 secondes. Alors. Bon, c'était pas trop dur ce matin? Vous êtes proche d'un écho. Ah, moi je suis parti, je crois que j'ai arrêté de jouer quand toi t'as dit que j'ai joué. En même temps, tout seul, je pense que tu fais pas grand chose. Ah non, bah, je suis bien confirmé. Ouais, c'est ça. J'ai juste un petit rhume. J'ai pas bien dormi. C'est tout. Désolé, monsieur, je vais vous demander de me suivre. Hé hein? Hé, lâchez-moi! Laissez-le! Marc! Marc! Il est pas malade, laissez-le! Ah merde, t'es à l'extérieur, Gorgas? Moi je vous laisse, je vous dis à ce soir peut-être. Ça marche.
to be. Désolé les gars, ça c'est à moi. Allez, viens, il y a tout ce qu'il te faut ici. Regarde ça, j'ai tout ce qu'il te faut. Alerte, agent allié en difficulté. On se revoit un de ces jours. Ouais. Toujours une petite surprise dans le dos. Toujours plaisant. J'ai te sauvé la vie, tu sais. Comment utiliser un silence là ? De quoi ? Bah en fait, ça améliore ton arme, donc oui. Mais j'ai pas l'impression que ça baisse tes dégâts en fait. Ouais, dégâts. Moi j'ai un coup de dégâts. Allez, viens, il y a tout ce qu'il te faut ici. Ah ouais. C'est ça, puis ça augmente les critiques. J'aime bien. Ah bon? Moi j'ai 3% de probabilité de tir critique avec. J'ai un bleu, ouais. Hey, machin, par ici. Et moi il manque pas grand chose, genre pour mon arme principale, j'ai deux modes violet et deux bleus. La carabine, enfin mon sniper c'est pareil, j'ai un bleu, un violet. Juste mon arme de poing par contre qui est dégueulasse, c'est une verte. J'ai de quoi te sauver la vie, tu sais. Ah non, par contre, mes armes, c'est une... Enfin, mon fusil d'assaut, c'est un or. C'est le... Ouais, c'est ça. C'est le plus gros que tu puisses avoir. Attention, risque bactériologique.
transmission brouillée. Couverture de proximité. Sans évidence. Enfin, surtout que là, quasiment tout est blanc. Backup activé. Redémarrage du système. Ouais, on peut acheter un œil. Descendre encore ? Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Par là, si tu veux remonter, il y en a au-dessus. Vous quittez la zone de contamination. Et tu peux pas aller au-dessus de toute façon. C'est quoi ce fichier ? Merde, merde. Ah oui, merde. Je vais vous buter, enculé ! Oui, là c'est lui qui est en train de tirer dessus comme un débile. Ah, y'a personne là. Ah si, y'a un joueur derrière. Et c'est pour ça que le PVP, enfin je trouve dommage qu'il te pénalise autant d'être renégat en fait. Que du coup, quand, tant que t'as personne qui est renégat, t'as pas de PVP. Deux autres là-bas. Ah non, si si. Oh, j'ai une chemise moderne. Du meilleur acabit. Ah,
Attends, c'est quoi là-bas? Y'a un 2 là-bas. Après, y'a des renégats si tu veux ou. Nord-est. Ah, c'est des élites. Ah, j'ai eu M1 classique. Pas l'air dégueulasse. Ah, ça, il faut des clés, je sais pas quoi, de Dark Zone. J'en ai jamais loot. Ah, je pense pas non plus. Tout ce que j'ai tué jusqu'à présent. Ouais. Non, c'est pas fou. Mais ça permet toujours de déloger quand t'as quelqu'un qui reste derrière. Un truc. Comme les grenades, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que les grenades, t'en as vraiment pas beaucoup. Oh! Arcation, là, disons. Non, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Quand ils sont à terre, le mieux c'est d'aller juste donner un coup de cross, ça les tue instant. Sorry. Alors que si jamais tu t'exploses sur un autre des mecs, tu passes en renégat direct et, et c'est tendu. Oh, j'avoue que si on se prend deux grenades, on est pas très bien. Ouais, y'a un 3 là. Ouais. Élitreuillage en cours. Je sens moyen. Il y a du brouillard dans la dernière. Tant pis. 15 secondes. Ah, si on se dépêche, on peut venir les tuer par contre. Vous êtes mort dans la Dark Zone? Ah ouais. Où ça? Les mecs, ils nous ont looté, ils étaient à vide, ils nous ont looté. Par contre, ils sont que deux. Ils sont prenables. Ah, puis y'en a d'autres qui arrivent des autres. Prends ta part. Agent Renégat neutralisé. Agent Renégat neutralisé.
Ouais, mais ça c'est chiant pour le coup, enfin. Pas super super bien indiqué quoi. Oh putain, ouais, par contre je me suis fait trop de points à les tuer. Je suis à 1094 points. Bon, j'ai toujours pas extrait moi. J'ai... Ouais. L'hélico approche de votre position. Par contre, on est tout à peu près dans la dernière vie. On est au tout début. Mais les Dark Zones sont instanciées, donc tu veux rejoindre notre groupe. Ah. Là, je suis 7 et 7. Bon, nage. Au pire, je me planque. Oui. Ok. Ça s'appelle comment ? Il est où l'autre? Ah, il est là. Ouais, oui, c'est bon. Extraction du colis. C'est envoyé, Gorgas. On tire sur Arikatu. Mais ils vont faire le même. Bah, c'est pour ça, attends qu'on les tue. Colis chargé. J'ai tellement envie. Ouais. Colis réceptionné. Extraction terminée. Ah là là. Ouais. C'est pour ça, c'est tellement un jeu que j'aimerais bien jouer Renega tout le temps en PVP en fait. Les conteneurs, c'est que dans la Dark Zone, c'est grade combien qu'on peut commencer à les ouvrir? 10. Okay. Ouais, mais j'ai pas pu le. Pourquoi? Comment ça? Sur le blé? Diago. T'as accepté son invitation? Ah non. Oui, moi aussi il m'a invité. Mais non. Ah, je peux rejoindre ton groupe, Gorgas, directement. Ok. Un nouvel agent a rejoint votre équipe. Normalement, c'est bon. Oh, putain. Attention, un agent. Ouais, je t'avais dit qu'il fallait tuer. Votre aide immédiatement. Tiens, ça m'avait me dire que c'est les. Que Division. On tue, mais ça leur sert à rien, puisque. Ah, rien du tout, surtout que eux ils passent. Ils passent au Renega, donc ils savent survivre maintenant. Et bon. Ouais, j'étais des causes de Division, c'est sérieux? Bah, ils m'ont dit que ouais, les services à The Division n'étaient pas disponibles quand j'essayais de rejoindre ton groupe. Ouais. Bon. En train de me recall. Tac. Un cadeau. Ah. Oh. Par contre, je sais, c'est laquelle qui vend l'arme de poing là, en marchant.
Me demande pas d'où ça vient. Alors... En vrai, il manque que ça à changer. J'ai que du bleu et du violet, sauf en arme de poing. Pense à acheter quelque chose la prochaine fois. Attention. Ben, en vrai, déjà, dès que t'auras la grosse arme en or. Transmission brouillée. Couverture de proximité uniquement. C'est pas trop mal. Bon, j'arrive pas à rejoindre le groupe top parce que je suis déjà présent dans la team Dark Zone. Ou alors là-bas, je peux dire que j'ai les chassés. Ah ouais. Non, parce que c'est, ça vient de replanter. Ouais. Faut bien, là-bas, là. Faut bien commencer un jour. Putain, c'est fou ce jeu, c'est de la merde. Je vais rejoindre des gens, ça te déco. Bah, c'était là. C'était ouais, l'instant critique. Il en faut bien un, donc. Et regarde les deux là-bas, là. Ah oui, puis ils prennent bien cher. Dans votre groupe, là. Un agent renégat a été neutralisé. Agent renégat neutralisé. Ouais, ouais, il a gueulé. Ah, fais gaffe. J'ai pris là. Je sais pas, je me suis pris plein de dégâts d'un coup, j'ai pas compris. Ah, il y a des snipers en face, oui, c'est vrai. Non, c'est que les PNJ qui sont en face en jaune, c'est des snipers. Du coup, un tir et ils te mettent la moitié de ta barre de vie en moins. Ah ouais, nice. Et t'as combien là? Hein? T'as combien en crédit? Non, par un autre sur la gauche. Ouais. Ils sont mis en stuff aussi. Oh là là, aussi. En fait, c'est bizarre parce que ça reste jamais sur la map tout le temps. Il y a deux autres qui sont à la barre une en rest. Oh putain. En fait, j'arrive pas à... Encore les deux là. J'arrive pas à vous rejoindre. Comment veux-tu? Oh, ça fait mal ça! Oh merde, non, je suis à terre! A ta droite, Borga, je suis à terre! Vas-y, vas-y! Nice, merci! GG! Agent renégat neutralisé. Là par contre tu vois, moi il m'aurait rapporté. Ah mais il est juste à côté. Bah j'arrive vraiment pas à rejoindre le groupe, ça à chaque fois que... Hey, tu veux mater ce que j'ai ou pas?
La boutique, c'est moi. Qu'ils attendent. Ah, je sais pas. Coup par coup, sûrement, mais c'est quand même bizarre. Ça t'amuse de rien acheter. Oh, mais attends, en fait, t'as fait hyper mal. T'as besoin de tout ça pour la Dark Zone. Et pourquoi ? Crois-moi. Ouais, je comprends pas. Tu peux me réinviter, s'il te plaît, Gorgas ? Je ne vois vraiment pas dans le groupe. Un agent a rejoint votre équipe. Là, j'ai accepté, j'ai un chargement. Bah, si pour un chargement, je me refais pas d'écho. Attends, ce 4100. Et genre, en vrai, l'Ascara, je fais largement plus mal que ma carabine M44. La meilleure cam, c'est par ici. Ouais, j'ai pas aimé. Ça sent un Attila le 1. Tout seul. L'Ascara. Non, parce que ça perturbe cette carache. La carabine M44. Eh, le meilleur matos, moi. Bah, je vais tester. La munition, la 20 munitions, l'autre 5. Moi, je trouve ça imprécis. Ah. Tac tac tac, ok. On va voir ce que ça donne. Hey, tu veux mater ce que j'ai ou pas? Attention, risque bas. Transmission rouillée. Couverture de proximité uniquement. Avertissement. Okay. Backup activé. Redémarrage du système. Attention, vous entrez dans la Dark Zone. Ah oui. Je crois que je suis plus avec vous. Ouais, non, en fait, on peut pas être coupé dans le même parce qu'on n'est pas les mêmes niveaux. Ouais. Mais t'étais déjà level 8, non ? Ah, ils sont... Putain, on voit rien. J'avoue, je préfère presque la Dark Zone comme ça que comme elle l'était, comme elle l'est quand il fait clair. Ah, mais ils sont morts. Ah, la même. Oh, mais c'est classe. Niveau 8, intention de la Dark Zone, peut être demandé. Non. La barre orange. Une barre, alors sur le niveau Dark Zone, une watched bar et l'orange, il manque une barre complète. Putain. Ah, l'Ascara c'est quand même sympa. Tester l'Ascara, j'ai pas possible, j'aurais trouvé.
En fait, le problème de la M44, c'est que t'as le rechargement entre les balles. Alors que le Scarage, c'est vraiment une automatique, du coup... Bon, je me suis trouvé une L86. Putain, ça bouge pas du tout quand tu tires, ça. Vache. Ouais, ça tire vite, hein. Ah, c'est pas des PK ça. Ah oui, ils sont là-bas. Vas-y. Attends, script up, tiens. Ouais, non. Y'a pas de caisse. Du côté de l'extraction. Ouais. Ah, que ça se passe monter. Ouais, ouais, ça prend direct l'obstacle. Oui, oui. Ça considère l'obstacle avant de considérer le chat. Non, c'est pas déplicable. C'est pas hyper drôle quand même. Bah. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi ça me dérangerait pas, tu vois, d'initier tous les PK, mais... Moi ça ferait vivre le PVP, quoi. Moi. Ah non! Oh. What the fuck? Ouais, ah. Et il est là-bas. Ah bon, bah désolé si je vous ai coupé un truc ou autre. Ça sert à rien de toute façon. Il y a un moment faut bien tester tous les boutons. On lâche pas la pression.
je vais prendre le devant. Pas, devenons les méchants. Yeah. Tiens d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a une zone qui est impossible à prendre. Je vais vous la montrer, c'est juste à côté, c'est la librairie. Enfin, c'est appelé la librairie, mais bon, c'est, ça ressemble plus à une église. Et tu peux juste monter via corde. T'as aucun escalier, t'as rien pour monter à part des cordes. Ouais, c'est fait. Todd. De quoi? Ouais, je crois aussi. Enfin, j'attendais quelque chose. Et donc voilà. Toute cette zone, on peut monter que par corde. Ah, et oui, t'as un dernier passage qui est par ici, mais vu que derrière c'est fermé pour cause de bêta, ben t'as que deux entrées. Ah ouais, en fait, ouais, tu te retranches ici. Ah bah clairement, si t'es renégat et que tu veux repasser en neutre, tu poses ici, c'est pas mal. Tu poses une M240. Et en plus personne peut monter, enfin trop vulnérable pour monter quoi. Ouais. Et donc voilà. Oh putain, c'est infâme. On voit pas plus loin de 25 mètres quoi. Que non, donc. Ou ça se trouve tu peux peut-être y aller, mais ça descendrait peut-être plus ton timer. Bon, il se passe pas grand-chose dans ta partie. Je pose une question, les explosions qu'on entend et parfois qu'on voit là, celles qu'on vient d'entendre, c'est vrai, ça signifie des joueurs ou pas du tout? Normalement oui. En face. Des PNJ. Les mecs au corps à corps sont juste violents. Ouh putain, j'ai pas vu le mec en haut à droite. Ouais,
Ah, il est bien joué ça. Doudouble. Le loot c'est pour c'est le même pour tout le monde ou... Non. Je suis bientôt 8 moi. J'adore vraiment les cris que t'entends à côté. Attention. C'est fait. Oh putain, le coin d'enfoiré là où je suis. Rentre. Hélico en approche. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu bon. Je suis en approche de votre position. Quoique, il y a deux autres points d'extraction qui sont aussi appelés, mais... Bah, je vois aucun bon dégage. Ouais. Récupération du colis lancé. Bon bah c'était calme. Bah là il se passe pas grand chose en vrai. Je vous poserais presque qu'on devienne une équipe de renégats. C'est vrai que là... devant lesquels sont appelés. Ouais, toujours celle d'en face. Ah, mais celle d'en face, apparemment, il y a des renégats. Oui, j'en vois deux, moi, personnellement, sur radar.
à gauche. Ah ouais. Putain, ils ont viré aussi. Un agent de votre équipe est blessé et a besoin d'aide. Le vert, pas d'argent. Ah, j'ai le bleu aussi, moi, sur le mec. Qu'est-ce que ça va être? BF-45. Oh oui! Oh oui, un Vector. Je veux le Vector. Bleu. Alors, après, on va peut-être bientôt devoir y aller, du coup, si on peut extraire vite fait tout ça. Là pour le coup, un Vector, j'ai pas non. Dur en airsoft aussi, ils en sortent un électrique, ça me prend tellement. Tu sais qu'il y a des portes qui existent, t'es pas obligé de monter sur les nuages. Oui, non. Je sais. Pourquoi emprunter la porte quand tu peux sauter sur les grilles? C'est ça. Non mais après c'est question de bon sens, hein. Pour pouvoir faire simple alors qu'on peut faire compliqué. L'hélico approche de votre position. Oh, j'ai tellement envie de tirer sur les mecs qui sont en face. Je vais surveiller la voile derrière. Oh, t'as de toute façon. Il y a deux PU qui sont sur la station service. Genre joueur ou PNJ? Genre. Rien derrière. Dumbador. Oui, il est tout seul. Ah d'accord, donc la bombe collante, tu peux pas le laisser tout le temps. Elle explose au bout d'un moment. Ouais. Non. C'est bon à savoir. Début de l'extraction. Je pense que je vais commencer à faire du PK. Bah, mettre un peu d'ambiance. Est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il.
Attends, est-ce qu'il a fait l'extraction? Ah, je sais pas, je vois qu'il dirigeait vers la zone pour extraire les items, donc non, il a rien sur lui. Bon, par contre, moi je vais aller dans un checkpoint. Ouais, ça marche. Ouais. Oh, vas-y, les PNJ qui te foutent dans la gueule. Oh là, bah vraiment. Ah! Ah! Oh. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a vu lui passer par le. Par l'avant-poste. Enfin. Ouais. Du coup, on s'est retrouvé avec les deux snipers autour, tous au corps à corps et tout. Enfin. C'est ingérable. Ça m'est jamais arrivé ça, d'avoir des mecs qui spawnent sur ma tronche. Ah si, moi c'est pas grave. Et ça, enfin pour le coup, c'est vraiment de la merde. Regarde-moi tout ça, c'est pas beau? Oui. Oui, mais bon, enfin, mourir en PVP à cause de ça, c'est regarde après tout. Ok, les mobs sont durs à tuer, d'accord. Bon, pas salope. Putain, mais y'a rien, il se passe rien ici. Bon, bah, sur ce, moi je vais vous laisser. Ça marche. Un agent a quitté votre équipe. Ah putain, mais bon jeu. Ouais, ciao. Ah, ça prend sur la tour les BNJ là-bas. Alerte, un membre de votre équipe a désavoué son affiliation à la division. Le statut de votre équipe est désormais renégat. Exactement. Ah mais c'est un jeu PVP. Exactement ça. BNJ. Je m'en fous de façon. Et tu vois, on a beau être renégat, t'as personne qui vient nous chasser. C'est quand même fou ça. Un monde. Bon, et t'as vu? Et c'est ce que je mettais dans le post, c'est que c'est un peu ridicule. De devoir farmer des points comme ça au bout d'un moment, tu sais. Tiens, bah regarde, le même. Ah, et regarde, il est totalement bugué.
Ah, ça y est, il est plus. Yeah, thanks, thanks. Ah, merci. Ah putain. Attention, un agent de votre équipe est blessé et requiert votre assistance. Il est derrière la voiture. De l'XP et des golds quand tu meurs. À moins 600 quand même, hein, j'ai pris. Moins 600 crédits. Ouais. Ah ouais. Ah bah moi j'ai pris moins 800. Ok. C'est bon ça, si jamais tu veux pas trop perdre de points, tu me dis et j'irai. En solo, maître de l'ambiance. Parce que du coup, à faire ça en vrai, tu perds plus que tu ne gagnes. Voilà, au centre de la map. Confirmation, le statut Renégat n'est plus actif. Oui. Mais même en fait, enfin. Le seul intérêt de passer Renégat, c'est de réussir à en sortir au bout d'un moment. Sans déconner. Donc en fait, t'as tellement peu de monde qui se passe Renégat et tellement de monde qui chasse que c'est. Tu verras. C'est quasiment impossible. Ouais, ça marche. Je vais pas tarder, je pense aussi. XP un peu.